Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette présentation d'une nouvelle distribution GNU Linux. Aujourd'hui, nous verrons ensemble la Manjaro Deepin. Alors, la Manjaro Deepin, en fait, c'est une Manjaro Daniela qui est sortie en juin 2016 avec l'environnement de bureau Deepin, tout droit sorti de la version de Deepin Linux. Donc, on va voir ce que le mélange des deux donne. Je lance tout de suite la machine virtuelle et on va essayer de voir quels sont les avantages et les défauts de cette Manjaro Deepin qui vient tout juste de sortir, je crois, me semble, la première semaine de juin. Alors, pour plus de commodité, on va peut-être choisir le clavier français, enfin l'environnement français, voilà, et je lance Manjaro Linux en version Deepin. Alors, elle est un petit peu plus longue à démarrer parce que, comme Deepin est basé sur GNOME 3, ce n'est pas le plus léger des environnements de bureau. On est sur un bureau qui consomme plus de 800 mégaoctets de mémoire vive. Donc, vous voyez que c'est quand même relativement lourd. On le sent déjà tout de suite au niveau du démarrage. Alors Deepin Linux, en fait, c'est un environnement de bureau avec un dock tout en bas au centre qui permet d'accéder au logiciel de façon assez rapide. Voilà, il a fini par démarrer. Et donc, on a ici donc accès en bas à droite à la configuration. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est assez bien pensé, je trouve. C'est relativement rapide et facile d'accès. L'autre point intéressant, c'est bien sûr la base de GNOME 3, donc ça permet en fait d'un déplacement de souris dans le coin supérieur gauche, l'accès aux différents logiciels installés sur la machine. Bon, après il faut aimer l'interface tablette, ça, les goûts et les couleurs, chacun verra midi à sa porte. Le dock en bas est assez réactif, donc on peut modifier, enlever des logiciels, là il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Vous voyez, donc on est bien sur une Manjaro 16.6 Daniela en 64 bits. Donc je vais minimiser tout ça. Personnaliser, donc oui, du coup ça me rappelle ici tout ça. Je vais peut-être modifier le fond d'écran parce que là le gris, franchement, c'est pas très reposant et c'est pas très c'est pas très ragoûtant en fait. Donc là, ah oui, c'est vrai que je suis en live CD, donc en live DVD, donc on n'est pas du tout sur une installation en dur. Donc on peut comprendre la latence du système. Ah, ben voilà, un peu plus de couleurs, c'est quand même plus sympa tout ça. Donc on va se choisir un fond d'écran bien sympa pour poursuivre la présentation de la distribution. Alors, un coucher de soleil, du vert, qu'est-ce que j'ai ici? Allez, pourquoi pas, on va se prendre celui-ci. Peut-être quelque chose d'un peu plus calme, voilà. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc là, vous voyez qu'on a un dock qui est situé ici en bas de page. Donc il garantit l'accès rapide au logiciel. Comme je disais, donc l'environnement du bureau GNOME 3 qui est bien présent ici. L'accès au centre de contrôle. Ici avec donc la partie menu. Donc là, on peut arrêter, démarrer le système. On peut accéder au compte utilisateur, modifier l'affichage. Personnaliser, donc différents fonds d'écran, la police, différents curseurs, hein, là on est sur les curseurs caméléon. On peut choisir donc différents types d'icônes. Alors là je suis sur Vertex Maya, apparemment je peux prendre carrément la version Deepin. Voilà, c'est fait. Une version Compass, voilà, des icônes Faenza qu'on ne présente plus. Alors je vais rester sur les icônes Vertex en fait qui sont propres à la version de la Manjaro. Au niveau des fenêtres, donc je vais peut-être ouvrir le gestionnaire de fichiers. Voilà, alors tac tac. Donc je peux choisir ici donc une présentation beaucoup plus claire, un peu plus arrondie. Voilà, Vertex Maya Square ou Dark. Voilà, donc ça c'est, chacun verra un petit peu la distribution à quelle sauce il voudra la mettre.
Qu'est-ce qu'on peut vérifier encore? Alors, tac, 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 tac. Au niveau des logiciels préinstallés. Donc, on a XFBurn pour la gravure de DVD, CD DVD. On a GIMP, bien sûr, hein, pour tout ce qui est image. On a Xane pour le scanner. Donc, ça, c'est une bonne chose. Plutôt intéressant. Un terminal administrateur. Les outils Qt. Ah non, on a SM Player qui est installé. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors, je pense que c'est la version 16, peut-être. Qui est déjà préinstallé. Alors le temps qu'il démarre le. Voilà, je pense qu'il va démarrer aussi le navigateur. À mon avis, c'est souvent ce que fait. Voilà. Du coup, ça nous permettra d'aller voir un petit peu le. Voilà, donc on est sur SM Player. Donc c'est la version 16.4 qui est présentée. Ah, on me rappelle qu'il y a des mises à jour. Donc alors, je ne peux pas les effectuer puisqu'en fait je suis sur le support live. Live DVD, live CD, tac tac tac. Ici, donc, je peux accéder, vous voyez, à, je peux éclater en fait les différents logiciels qui sont présentés ici. Et ici, j'ai accès donc au, voilà, donc à la personnalisation, le son. Alors, est-ce qu'on était faire un tour au niveau du son? Donc, on peut augmenter, baisser le son, mettre les haut-parleurs. La gestion de l'alimentation avec le. Là, voilà, vous pouvez éteindre votre ordinateur s'il est inactif depuis 10 minutes, 5 minutes, etc. L'écran aussi, l'ordinateur. Clavier, donc on vient de le voir puisqu'on l'a mis en français. Information du système. Donc on est bien sur une. Alors, on est sur la version de bureau Deepin 15.2 hein, qui vient de sortir au printemps 2016. Puisque Deepin 15.1 était sorti, je crois, juste avant Noël 2015, le 24 décembre. Je me souviens, j'avais fait un test là-dessus. Et donc là, on a la version 15.2 de Deepin. Donc une amélioration de ce bureau propre à la Deepin Linux. Et on est donc sur une Manjaro. Au niveau des utilisateurs, donc on peut choisir voilà, différentes icônes. Ça, c'est plutôt de la personnalisation. Ok. Alors, le réseau. Date et heure. La souris, je pense qu'on doit pouvoir modifier pour gaucher et droitier. Je peux maintenant fermer puisque ça, nous l'avons vu. Donc on n'en a plus besoin. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre au niveau des logiciels? Alors on a fait le tour, donc j'aimerais qu'on regarde un petit peu ce qu'on nous propose au niveau des autres logiciels. Donc SM Player, hein, c'est plutôt pas mal comme lecteur. On aurait pu avoir VLC, mais bon, ils ont mis SM Player, pourquoi pas, ça change un petit peu. Le choix des mises à jour. Donc LibreOffice, nous venons de voir. HP Device Manager, hein, pour les personnes qui ont une imprimante HP. Chromium comme navigateur. Alors je pense que c'est la version 51 qui doit correspondre à Chrome, logiquement. Donc on est bien sur la version 51 ici de Chromium. Le moniteur système. Alors justement, on peut aller voir au niveau de la consommation des ressources. Alors je vous disais, c'est plus de 800 mégaoctets de mémoire vive. Voilà, donc là on est déjà 1,1 giga, mais 1,1 giga de RAM consommée sur 2 gigas, c'est énorme. Je trouve ça vraiment énorme. On est sur un ordinateur, une machine virtuelle qui a 2 gigas de mémoire vive. Et avec un seul logiciel ouvert, c'est-à-dire Chromium, on est déjà 1 giga 1. Alors, bon, je vais fermer Chromium, donc il est assez gourmand. Je pense qu'on va peut-être descendre à 850 mégas là. Même pas, on reste à 1 giga. Donc vous voyez que c'est quand même un environnement de bureau qui est très joli, qui est réactif, mais qui est gourmand. Qui est gourmand, qui consomme plus de 50% de mes ressources, c'est énorme. Énorme, énorme. Pour terminer, donc sur. Les logiciels préinstallés, donc on a un pare-feu, on a Adobe Flash Player, technologie vieillissante, pourquoi pas, même si on préfère aujourd'hui le HTML5. Au niveau du terminal Deepin, donc maintenant que j'ai francisé, alors je ne sais plus si j'ai francisé, d'ailleurs on va faire un tour à ce niveau-là. Non, j'ai pas encore francisé. Je suis sur un clavier QWERTY, donc je vais passer par la personnalisation, le clavier. Je vais rajouter le clavier français, tant qu'à faire. Ce sera beaucoup plus facile. Alors, français, suisse, français, belge.
Tac, 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 français-Canada, non, ça m'intéresse pas. Français tout court. Je l'installe, je le sélectionne. Et normalement, ici, je dois pouvoir avoir le clavier AZERTY. Condition de bien sélectionner le terminal. Voilà, c'est quand même mieux d'avoir un clavier AZERTY. Donc, du coup, ça me permet de voir quelle est la version du noyau. C'est la version 4.4.12 qui date du 2 juin 2016, donc une version assez récente. C'est pas la version la plus récente du noyau, hein, puisque la version la plus récente, je crois que c'est la version 4.6 maintenant. Mais bon, c'est un. Voilà. Au niveau de la consommation, ben, on l'a vu au niveau des ressources. Donc c'est voilà, 1 giga, comme on l'a vu tout à l'heure, sur 2 gigas. Ça fait mal. Au niveau processeur, donc j'ai un processeur qui est bloqué à 100%. Alors, est-ce que c'est un bug de la machine virtuelle? Je ne sais pas. Enfin, c'est pas de très bon augure, hein, vu que j'ai testé des distributions qui, à machine virtuelle, consommaient à peine 1 ou 2% sur le bureau. Qu'est-ce qu'on peut regarder encore? Donc, on a vu Chromium, on a vu le gestionnaire de fichiers. Le voici. Qui est francisé, hein, on est sur une Manjaro. Donc, c'est plutôt agréable de ce côté-là. Tac, tac, tac. Alors, on va regarder au niveau. Donc, c'est l'outil fichier de GNOME, hein, qui est basé sur GNOME 3.20, comme on peut le voir. Donc, rien de bien nouveau à ce niveau-là. On peut peut-être aller faire un tour au niveau des fonds d'écran. Alors, c'est dans quelle partie tout ça? Tac, tac, tac. Personnalisation, je crois, non? Voilà, fond d'écran, oui, on l'a vu tout à l'heure. Alors, d'accord, celui-ci, celui qu'on a utilisé tout à l'heure, c'était celui-ci. Celui qui était sélectionné par défaut de tout gris, là. On a une personnalisation au niveau de Manjaro. D'accord. Alors, il y a deux ou trois fonds d'écran qui sont plutôt sympas. Pourquoi pas? Une sorte de tornade avec. Des hélices qui permettent donc d'utiliser la force du vent, donc des éoliennes, encore un champ d'éoliennes, donc décidément ils sont très énergie renouvelable chez Manjaro Deepin. Un champ d'éoliennes, donc des éoliennes avec une tornade, un fond d'écran classique de la Manjaro, un fond d'écran, d'accord, faut aimer, ça fait un petit peu chalet. Bon, pourquoi pas, après tout. Ok, bon, je vais revenir sur celui-ci qui est un peu plus reposant. Donc voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour de cette Manjaro Deepin. Donc à vous de voir si le mélange des deux peut vous convenir, sachant qu'elle est quand même relativement gourmande. J'ai pas trouvé énormément Veloce. Je préfère pour ma part utiliser en fait une Manjaro XFCE pour tout vous dire. Voire une Manjaro OpenRC. Mais bon, pourquoi pas, hein, autant elle a au moins le mérite d'exister, puis peut-être qu'elle pourra satisfaire quelques utilisateurs. Voilà, donc je crois que j'en ai terminé avec cette vidéo. Je vais vous laisser sur ici ce beau fond d'écran de la Manjaro Deepin, et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau test d'une nouvelle distribution de Linux. À bientôt, au revoir.